Je suis l'aigle de la route. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la performance de l'épisode de Mad Max. Donc, dans cet épisode, chers amis, nous allons nous rendre ici. Alors, ça doit être la fin de l'histoire. Mission de l'histoire, fumée au loin. Là, on a une quête secondaire, donc trouver l'entrée des collecteurs. Bon, si tu veux. Mais d'abord, ici. Hop, et on va pas se téléporter, on va y aller comme ça. Parce que je pense que c'est un dernier moment où on va avoir notre V6. Non, c'est bon, j'ai déjà. Je pense que j'ai déjà les faveurs des dieux. Hein. Hop là. Alors. Ah, j'attends le She Flies. Moi, c'est ça que je veux entendre, moi. Il va falloir qu'on prenne plus gros comme. Comme jump. Dommage là qu'on n'ait pas à prendre parce que sinon je l'aurais pris moi perso. Aïe. Elle est moins maniable que le buggy de Chum. Enfin elle est plus maniable et à la fois moins maniable. C'est à dire qu'en fait elle prend les virages comme il faut, ce qui est beaucoup moins bien je trouve. Quand c'est dur et que je suis obligé de freiner, je préfère ça, c'est mieux, c'est plus cool. Alors, tiens juste pour la forme. Ah bon? Vous pouvez pas la prendre la vieille carcasse là? Non, même pas. Dommage. Alors, on va se remettre sur la route. T'es sur garde, chum. Oh oui. Oui. Je peux pas aller, je peux pas là. Dégage. Hop, c'est par là, c'est, excusez-moi, je passe par là, moi. Hop. Dégage. Ta voiture est moche. Dégage. Dégage. Hop. Oh, le sac. Oh, le sac. Dégage. Ah, je l'ai raté. Je suis vexé. Je suis tellement vexé, chers amis, si vous saviez. Mes pneus. Putain, mais c'est qui me font chier, ceux-là, en plus. Eh. Dégage. Hop. Aïe. Dégage. Hop. En plus, ils sont tout guidés, chers amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Combien ça me coûte à réparer? 420. Ah, j'aurais dû garder une de leurs voitures. Répare. Bon, voilà, il y a moins de flammes, on peut y aller. La voiture brûle pas trop, ça va. Bon, juste pour voir. Ça va, c'est métal. C'est juste métal. Hello. Et ça change complètement, le jeu a des couleurs d'un coup, c'est bizarre, hein. En fait, c'est parce que là, on arrive, en fait, on était dans le port, à mon avis, dans ce qu'était le port. Et là, on arrive, en fait, sur les terres, maintenant, il me semble. C'est ce que je comprendrais, moi, en fait. Hop. C'est pour ça qu'on retrouve des bâtiments, en fait. Ah oui, le bitume au sol, regardez ça. Ouh, c'est cool. Par contre, ce qui est moins cool... C'est qui est ça sur mon truc? Sur ma route. Ça, je peux pas supporter, chers amis. Oh. Regardez ça, il y a de la route. C'est génial. C'est absolument génial. Il y avait une info. Il y avait de l'inforoute là. Ah oui, du deux roues. Non, raté. Bon, l'inforoute. Bonjour madame, monsieur. Alors attendez, on va faire un truc. Madame ou monsieur? Madame. Parlez vite.
Monsieur. Madame. Putain, c'est madame. Pardon ? Vous avez fait quoi, là ? Non. Non, j'ai dit. Qu'est-ce que tu comprends pas dans le mot ? Non ! Dégage. Bon. Dégage ! Je parle à ton copain ! J'ai cru qu'il y en avait un quatrième ? Ah non, c'est dans ma tête. Par contre, j'ai la même couleur de bagnole que vous, les gars, donc vous pourriez être un peu plus sympa. Franchement, je m'attendais à un peu plus de sympathie de votre part. Allez, on y va. On roule. Oula, oui. Pourquoi pas. Oh, regarde, il y a de la fumée, les brutes ont appliqué. Ah, on va être dans une position de force vu qu'on va venir les sauver. Your fabled fingers are nimble enough. My fingers won't fail me, Saint. But these defilers, the very same. Ah, il veut de la vengeance. Le difforme, Quasimodo. Summon into mind the horrors they brought. They will do the very same here, and they will leave no sacred tools. Bon. They'll burn what they can't carry. And they break what they cannot burn. C'est pas faux. Then let's go. Ok, t'as raison. Bon, il aime bien les filles. Écoutez, pourquoi pas? Dégage. Aïe, j'ai cassé ma voiture. Aïe, dégage. Aïe, dégage. Aïe. Sors de ta caisse. Allez, viens, ramène tes fesses, j'attends. Non, recule. Crac, crac. Ça c'est fait. C'est des catapultes? Mais c'est génial. Je sais comment on va faire, laisse-moi rentrer dans la voiture. Oh. Boum. Et deux. Ah, vas-y. Et ouh, ça pète ça. Ça explose ça, messieurs dames. Ouh. Boum. La prochaine fois, je la regarderai, chers amis, l'explosion. J'y penserai, vous inquiétez pas. What? Mais il translate le bonhomme en plus. Non, mais où t'as cru? T'as un rose et un bleu? Bam! Blam dans le cou! J'ai dit non! Bitch slap, please! Oh putain, dégage. Voilà. Hop. Chum, mon petit chum, mon adoré chum. Hop. Tu sais quoi? Y a pas de raison que tu t'amuses pas. Ah merde. Apparemment si. Et boum. Ah, ça c'était beau à regarder. Mais si, Scorbut c'est un trou du cul. Y'a une drôle de maladie en plus. Mais non, pas eux! Mais c'est pas eux! Gaspille pas tes troufs! Boum! On va être là pour le regarder. Salut l'ami! Ils sont solides les bleus, dis donc. Bon.
Atteignez la forteresse. J'ai un châssis devant le nez. Par contre, j'ai un châssis qui se désagrège. Apparemment, le soleil, c'est un soleil vraiment de plomb. Oh ! Un homme tout jaune. J'aime pas les hommes tout jaunes de ce jeu. Raté. Tu vas tellement tomber, mon pote. Ah non, je pensais qu'il allait tomber. Hop, dégage. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Y a des trucs à chercher? Non. On va bourrer alors. Alors, là, il y a quoi? Il y a un passage droit devant. J'imagine que c'est pas complètement inutile. Voilà. Ah, mais c'est une séquence qu'ils nous avaient montré en gameplay. Je crois. Tiens, regardez. Alors, vous avez vu, là? Vous avez vu ça comme c'est moche? Ah non, je pensais que c'était du gaz. Mais non, en fait, c'est le souffle qui se propage. Ça, c'est moche, oui. Mais c'est pas moche dans, dans le bon sens. Là, c'est la chaleur qui se propage en fait de côté du mur. Alors, soit c'est moche, et soit c'est un bug et c'est moche, soit c'est réaliste. C'est réaliste, mon cul. Quoi qu'il y ait des comment des. Ouais, non, c'est pas réaliste. Salut les mecs! Eh ben non! Désolé, t'en reviendras pas, toi. T'as essayé de m'avoir, non? Bon. Ah non, y'a personne qui veut négocier, j'ai même pas le temps de parler. Toi, t'as déjà fait le con une fois, je suis désolé, tu payes. Eh ben non. Toi, tu me donnes ton bras. Hop. Bon, un petit peu de ferraille. Pour la forme. Et on monte. Hello guys. Personne? Oh la vache, oui, un massacre. Je fais pas. Ah, il doit y avoir des ennemis dans le coin vu que j'ai. Oh, je peux pas choper la lance là. Oh, j'aurais bien aimé pourtant. Hop, bon, je sors les lances des cadavres hein, quand même, un minimum de respect à avoir. Bon, on grimpe. Non, je ne te laisserai pas faire ça. Nope. Oh non, ils ont pas fait ça. Alors je crois que c'est une femme, on va aller vérifier ça. Si c'est le cas, c'est terrible. C'est terrible, c'est affreux. Vous vous moquez de moi. Vous n'avez pas osé faire ça. Ça ne se faisait vraiment pas. Je ne veux pas vous voir. Je ne veux pas vous voir. Tu sais quoi? Viens là. Viens par là, t'as raison, tiens, viens par là. Viens faire genre t'es fort. Parfait. Ah non, casse-toi. Oui, vas-y, frappe-moi autant que tu peux. Non! Aïe! Casse-toi! Tombe! This is Sparta! Voilà, une deuxième fois, jeune ami! Et il y a ton copain là-bas, là, viens! Viens! Raté! Ah putain! Trop du cul, tu me gonfles! Putain! Dégage! Voilà! Me dites pas que c'était une femme. Oh putain, ça ressemble. Personnellement, je dirais femme. Ça va chier, c'est une femme. Je ne supporte pas ça. On m'a appris que c'est du sexisme de penser que les femmes. De défendre les femmes pour un homme. Mais je ne supporte pas ça. Je suis désolé. C'est sans doute quelque chose de. Qui vient de mon. De mon comment, de ma façon, de la façon dont j'étais élevé, mais là ça va pas le faire. Il y aura vengeance. Alors, la rouleuse.
let's you and me parley instead. No more sticky tricks, Stinkum. Today, we finish it. Called my bluff, Wheels. C'est lui, Scorbut. It finishes today. The total eradication of all you, everything here. Master order this. Non. Scrotus word. Ah si, c'est Scorbut, c'est le cop, c'est le fils de Scrotus. Oh, une femme. Oh merde, il m'a vu. Allez, roule, 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 roule. Elle est sur roulette. Oh, est-ce que je vais choper un arc, une arbalète, pardon. Oh, j'y ai cru. Allez. Raté. 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 Et bim! Voilà! Ça, c'est fait, chers amis. Ce qu'on appelle communément un massacre. Qu'est-ce qu'il fait? Oula, ça va faire mal. Oh, t'as un joli petit flingue. Mais la fille, elle est accrochée à la voiture. What? Mais elle pouvait pas le dire avant. You tell me, son. Tell you what? Tell me why I shouldn't land a slug right between you. Parce que je viens de te sauver la peau. Let me get this straight. You come here, stranger to my domain, and risk your life to help us. Yes. Desperate and capable. I think we can do business. Ah. C'est bon ça. J'aime quand ça parle comme ça. Nouvelle planque. Oh, elle a une vraie fosse en plus, elle. Pour pouvoir aller sous la voiture. Elle a une vraie fosse, oui, c'est vrai que dit comme ça, c'est à moitié con. Oh, these folks, they know engines, huh? And the V8 we seek. Let's hear it. They Ooh. Say, to take the big chief, one must win a most dangerous race. Who Ooh. Do I say about this race? The Gastowners call him the Outcrier. D'accord. Oh, he hangs out near the refinery underbelly. Dans le bas-ventre, putain. Pourquoi ça m'étonne qu'à moitié? Dans le bas-ventre. D'accord, il est là, je crois. Ah, la gueule, il y a du boulot, hein. Deep Fria. Bah, j'irai bien. À vrai dire, j'irai bien, chers amis. Ah là là. Quel cruel dilemme. Quel cruel dilemme, j'irai bien dans l'histoire, là. Parce que là, franchement, je trouve que cette histoire qu'on vient faire là, c'est bien... C'est naze. C'est juste complètement naze. Bon. Alors, par où faut passer? Pas par là. Ça a l'air moisi comme zone, hein. Soyons honnêtes. Alors, ça tombe un peu mieux par ici. Il y en a qui fait de la soudure en dessous, c'est stylé. Alors, bonjour madame.
Time has come for us to uproot. There's no way we can stand up to Gas Town. I'm sending my young ones away. Across the Great White. Out the unknown. They'll run D'accord. And die. But we're not using fuel. We'll build a dune ship on wheels. With a sail to catch the wind. Intéressant. I think you might help me. For a price. I've found a fitting sail. I know D'accord. Where to get it, but not how. Intéressant. As reward, treasure from the days of old. Still buried beneath the dunes and ruins. Définitivement intéressant. Pinkai a l'intention de traverser le Grand Rien pour fuir la folie de Scrotus, mais il lui faut une bonne voile pour son vaisseau des dunes. Scrotus a installé un collecteur de rosée avec une grande bâche publicitaire dans le camp du fou et du tyran. Récupérer la bâche pour Pinkai. Photo montrant une cache secrète de Pinkai. Oh, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Cependant, il va falloir qu'on aille fouiller toutes les zones. Putain. Au moins, aller voir les montgolfières. On va donner un petit peu de ferraille pour commencer. Parce que ça n'a pas l'air de la grande forme. Hop. Livraison de ferraille, les amis. Enjoy. Est-ce que ça va vous suffire? Pinkai est servi, voilà. Ça vous suffit ou pas? Non. Un peu plus, un peu plus. Est-ce que là vous avez... Oui, ils vont avoir leur petite amélioration, non? Voilà, petite amélioration, parce que là c'est vraiment pas la joie quand même, hein, les pauvres. Alors, s'il y a du mieux, il y a un peu de mieux, effectivement, ça a l'air plus agréable. Bon, ça c'est cool. Alors, la voiture, elle est là-bas. Ok. Oui, oui, c'est cool. Continue à parler, ça m'intéresse. Alors, je pourrais aller jusqu'à Deepfria. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Camp du fouet du tyran. Tunnel du nord. Ah, il y a plein de choses, c'est vrai. J'ai plein de petites quêtes à la con. On va commencer par aller dans la zone qui est là. Propulsé par les éléments, pas bien. La combustion, c'est le seul moyen de voler. She flies! Excellent, excellent, excellent. J'aime bien quand il parle comme ça. Je suis entièrement d'accord avec lui, d'ailleurs. Oh, t'aurais pu le dire. Ça allait tellement bien avec. Ah! Ah ah ah, là il y a un convoi là. Là il y a un convoi là. Alors. Ok. C'est con. La voiture a pris extrêmement cher. Ouais, alors là c'est pas le bon endroit pour rester. Et sœur, sœur. Ok, donc c'est pas ça qu'on va aller faire tout de suite. On va pas du tout aller faire ça. Est-ce qu'on peut réparer la voiture à moindre coût? Non, on peut pas réparer, on est juste d'attendre. Donc là on va vraiment se diriger vers l'endroit parce que là on n'a pas du tout une... C'est un truc incroyable à dire, on n'a pas du tout la puissance de feu pour le faire. Ils avaient vu à quelle vitesse on s'est fait défoncer, on a pas de... je crois qu'on n'a pas de blindage sur la voiture de toute façon. Ah oui, elle est pas accessible parce qu'il a pas fini de la réparer, voilà, merci. Niveau du blindage, on a quoi? Ah bah si, pourtant on est plutôt bon. 1400, bon, on va attendre un petit peu. On va s'acheter le gros blindage. C'est pas grave, hein. On va y arriver un jour, chers amis. Hein. Oh, de l'asphalte, c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Hop, on prend le virage. Et tu le surprends lui un petit peu. Hop. Parfait. Hop.
Crac. Et là, il y a deux snipers. Crac. Viens par là, l'ami. Ah, t'as mal visé, par contre, hein, c'est bête. Hein. Hop. Un instant. Je suis à vous tout de suite. Aïe. Et dans le campement, bon, je vais la péter au fusil. Hop, allez, roule. Répare la caisse. Fais ton job. Qu'est-ce qu'on a par là? Une relique de ferraille. Ça va pouvoir se trouver assez vite, ça. La relique. Oula. Merde, je sais même pas par où commencer, que se passe-t-il? Tout le monde devient dingue. C'est le chaos, plus de règles, plus rien. Mes gars ont pété les plombs, je les connais depuis la maternelle, merde. La police vient leur défoncer leur crâne. Putain, je peux rien faire, je peux pas me révolter, je déteste ce putain de chaos. Et le fond de l'océan pue la mort. Tout le monde a la fièvre ou un truc, bordel, Linda est morte. Je croyais que pas que j'y tenais autant, elle est raide morte. Quelque chose à dire, Max? Rien du tout. Trop d'insultes, pas de réponse. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Oh, t'es sérieux? Bang. Boum. Hop, mission de snipe. Ah, ça c'est cool. Par contre, j'ai pas trouvé du tout la ferraille qu'il y a dans le coin. Là, il y en a un petit peu. Hop, parfait. Ah bah oui, tu m'étonnes, il y en a vraiment un tout petit peu, hein, on peut pas dire mieux. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, donc j'imagine que c'est dedans. Tout à fait. Hop. Oh, vu à la première personne, c'est marrant. Hop là. Alors, dis-moi que t'as de l'essence. Putain. Elle en a pas. Et j'en ai, moi. Oh non, me dis pas ça. Ça se fait pas, me dis pas ça. Si, j'ai le mien, j'ai mon réservoir, putain. J'ai mon jerrycan de secours. Oh nom de Dieu. Bon, on va prendre le jerrycan. Hein. Voilà pourquoi faut toujours penser à prendre un jerrycan, chers amis. C'est une nécessité. Hop. Faire le plein. Ah bah je vais pas chier loin. Eh ben tant pis, on a des couilles, on en a pas, hein. Tayo. Comment vais-je redescendre? Allez! Oui! Juste à temps. Putain. Les hurlevents. Ah, les hauts de hurlevents. Ok, c'est cool. Alors là, camp de transfert, sniper, c'est cool. Ça met dans l'ambiance. Course à la mort. Je sais pas. Épouvantail renforcé. Là-haut, il y a un truc. Là aussi il y en a un, là aussi. Là j'ai tout pris. On va déjà ranger ça, on verra bien. Les hurlevents. Là il y a quelque chose, là aussi. On va aller les prendre. Hop. Là. Hop. Ok. Bon, il me semble qu'on a tout. On redescend. Heureusement, on n'a pas besoin du brûleur. Hop.
Bon. Bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, un petit peu d'histoire ça fait du bien. N'hésitez pas à pouce-vériser la vidéo, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam. Cliquez dans le lien descriptif de l'épisode vers mon partenaire GamesPlanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu. Et encore une fois, je les remercie de leur sympathie. Quant à moi, je vais vous laisser là pour cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures de Mad Max. Donc à demain pour un nouvel épisode. Et je me suis planté d'endroit où je voulais aller. Et yop. On va plutôt aller par là. Ah ! Ah ! Il me propose un truc lui. Comment se fait-ce ? Ouh, je suis intéressé. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il va me le faire avant ? Non ? Est-ce qu'il va me le faire quand je vais rentrer ? Ça me ferait mal. Non, ça a l'air sympa. Ça a l'air bon. Ok, salut les gens, à demain !